Bonjour, merci d'être venus si nombreux dans ce magnifique endroit, ce magnifique trou dans le budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment magnifique, c'est dommage qu'il y ait le même à Clermont-Ferrand. Mais... Donc nous allons parler cet après-midi des GAFAM. On m'avait demandé de trouver un titre court, et il est très court, hein, les GAFAM. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Pour s'interroger sur non seulement le modèle économique de ces entreprises, mais surtout sur, enfin aussi et surtout sur l'impact que ça a à la fois sur le fonctionnement économique du capitalisme en général et sur les sociétés, sur les relations humaines et sociales. Puisque ce à quoi on assiste maintenant, c'est que, passé la phase d'émerveillement, on va dire, ces entreprises sont sous le feu de critiques très nombreuses dans des domaines divers, qui sont, bien sûr, la question fiscale, puisque ce sont, comme le montrent encore les documents qui ont été publiés par Le Monde récemment, et d'autres journaux, bien sûr, les champions de l'évasion fiscale, mais aussi la question de la gestion des données personnelles, donc des données individuelles que de chacun d'entre nous, donc question de vie privée, de protection de la vie privée, et puis aussi les intentions de ces entreprises dans des domaines scientifiques ou de santé qui impactent directement la société. Donc il y a la question de la régulation de ces entreprises et aussi de leur modèle économique qui se sont constitués en monopole par un certain nombre de traits caractéristiques des monopoles. Donc c'est de tout cela qu'on voulait discuter avec, dans l'ordre, par ordre d'apparition, si j'ose dire. Et on a commencé un peu en retard parce qu'on nous attendons le dernier intervenant que je vous présenterai quand même et en espérant qu'elle arrivera. Donc le premier intervenant sera Christian Saint-Étienne, qui est professeur titulaire de la chaire Jean-Baptiste C. d'économie au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et qui est aussi coprésident de l'Institut de l'économie. L'économie, c'est un institut d'études d'économie, alors je cite, hein, d'études de l'économie de la troisième révolution industrielle, le numérique est qualifié de troisième révolution industrielle. Alors, il a publié L'économie pour sortir de la crise, donc Économie pour sortir de la crise, chez Odile Jacob. France 3.0, agir, espérer, réinventer, aussi chez Odile Jacob. Et La troisième révolution industrielle, justement, chez l'éditeur Contemporary Bookstore, c'est ça ? Et dont une nouvelle édition est apparue d'ailleurs en avril 2017. C'est ça ? Voilà. Et il est aussi, pour le Conseil d'analyse économique, il est co-auteur d'un rapport sur les gazelles, ce qu'on appelle les gazelles, c'est-à-dire les PME en forte croissance en France. Et c'est un rapport qui était paru en 2006, il y a bien longtemps d'ailleurs. Et est-ce qu'on verra s'il y a des gazelles ou pas depuis, ont pu naître et prospérer en France. Jean-Hervé Lorenzi, à sa gauche, qui est président du Cercle des économistes, qui a fait de très nombreux livres, dont le dernier porte précisément sur le sujet qui nous intéresse, donc, puisqu'il est co-auteur avec Michael Bérébi, un petit peu de publicité, de L'avenir de notre liberté, faut-il démanteler Google et quelques autres. 17 euros. Chez Erol, 2017. Voilà. Donc, faut-il démanteler Google? Voilà, c'est la question titre du livre, et c'est la question qu'on lui posera. Julien Mendoza, tout à fait à gauche, et qui est spécialiste des stratégies industrielles numériques, qui est consultant, conseiller pour pas mal d'entreprises sur l'économie de plateforme, l'usage des données personnelles dans les modèles d'affaires. Et il est expert aussi pour Blue Circle, c'est toujours valable ça, oui, qui est une agence qui travaille sur le rapprochement entre les start-up et les grandes entreprises, justement pour faire que les grandes entreprises puissent embrasser, si j'ose dire, des modèles de l'économie numérique. Gilles Dowek, qui est à ma droite, qui est chercheur et enseignant en informatique à l'INRIA et à l'ENS, à Paris, hein, Saclay, Paris-Saclay, et qui a travaillé sur la formalisation des mathématiques
sur les systèmes de... Vous avez travaillé sur la sécurité des systèmes aérotiques et spatiaux, je vois. Voilà, sur la sécurité des systèmes en général. Sur la sûreté des systèmes aéronautiques et spatiaux. Voilà, la sûreté des systèmes. Et il est co-auteur avec Serge Habitboul, qui est aussi à l'INRIA, d'un livre qui s'appelle « Le temps des algorithmes ». Voilà, et qui est d'ailleurs est en vente à la librairie un peu plus loin. Et Gilles Dewec fera une signature à la fin de cette conférence pour les lecteurs de ce livre. Voilà. Et puis, donc, nous devions accueillir Catherine Morin-Desailly, qui est la sénatrice UDI-UC de Seine-Maritime et qui est présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat et qui a fait en 2014 un rapport qui s'appelle « L'Europe au secours de l'Internet, démocratiser la gouvernance de l'Internet en s'appuyant sur une ambition politique et industrielle européenne ». Et j'aurais bien voulu qu'elle puisse aborder la question de la capacité des pouvoirs publics, de la puissance publique à réguler ou à contrôler ou à éviter les effets, les externalités négatives, comme on dit, du développement des GAFAM. Mais bon, on abordera le sujet de toute façon. Donc voilà. Donc pour commencer, Christian Saint-Étienne, l'idée c'était que vous puissiez expliquer quelle est la nature du modèle économique, non seulement des GAFA, mais aussi de ce qu'on appelle la révolution numérique, en quoi ça modifie les modèles microéconomiques et le capitalisme en général, parce qu'il y a quand même une mutation structurelle qui est due à l'existence de ces entreprises et à leur développement. Bonjour à tous. Donc, en quelques minutes, replacer la révolution numérique dans son contexte. On va passer directement à la suite. Alors, il y a des débats infinis entre spécialistes sur les révolutions industrielles, mais grâce à des travaux de l'OCDE du début des années 2000, on peut tout de même s'accorder plus ou moins sur le fait qu'il y a eu trois révolutions industrielles. Alors, quand on met les années 1780, 1880 ou 1980, c'est pas au 1er janvier 1780, et en fait... Je n'ai pas le temps de le développer ici. Vous pourrez retrouver ces idées dans ce livre qui est uniquement sur Internet, sur la troisième révolution industrielle. Et une révolution industrielle, ça se prépare dans les trois décennies qui précèdent. Mais en gros, quand on dit que la machine à vapeur date des années 1780, ça signifie que c'est la décennie au cours de laquelle cette invention commence à se déverser sur l'économie de manière globale et sur les autres secteurs. Donc les années 1780, c'est la révolution de la machine à vapeur qui produit des effets extrêmement puissants sur l'industrie du textile et puis donne les chemins de fer. Les années 1880, c'est l'électricité, le moteur à explosion, la chimie et la pharmacie, mais le cœur central, la technologie dominante qui transforme complètement le système économique, c'est l'électricité. Et à partir des années 1980, c'est l'informatique. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que l'informatique apparaît dans les années 1980. L'informatique apparaît dans les années 40, se développe dans les années 50. Vous n'êtes pas opposé à ça, très bien. Et donc, les progrès de la microélectronique dans les années 60-70 font que c'est à partir des années 80 que l'informatique commence à trouver un rôle central dans le fonctionnement du système économique. Et donc, nous sommes dans la quatrième décennie de la troisième révolution industrielle. Comme vous le voyez au tableau, ça transforme les nanotechnologies, biotechnologies, les technologies de l'information et de la communication. Le C étant pour tout ce qui est cognitif, puisque ce qui se passe de façon extraordinaire depuis une quinzaine d'années, c'est l'approfondissement de nos connaissances sur le cerveau. Et donc... avec cette troisième révolution industrielle, on peut dire que nous sommes entrés dans le monde 3.0 de l'état de la planète, puisque ça va impacter, bien sûr, pas seulement le système économique, social et culturel, mais ça va être un élément clé pour passer à la croissance durable, qui est un élément décisif de la survie de l'humanité. Alors, là aussi, on pourrait avoir des débats infinis. Mais ce que je vous propose, c'est une hypothèse à la Popper qui est réfutable. Mais quand on observe les deux premières révolutions industrielles, on observe qu'elles se divisent en deux demi-siècles. Alors là aussi, ce n'est pas à trois ans près, mais c'est un demi-siècle de constitution d'une offre de produits abordables et d'une utilisation simplifiée. Je vous donne un exemple très simple. La vapeur se déverse à partir des années 1780, sachant que la vapeur...
Les premières machines à vapeur se développent dans les années 1650-1680, sauf qu'elles explosent sans arrêt à la tête des inventeurs. Il faut faire des progrès dans la métallurgie pour stabiliser la chose et qu'elle n'explose pas toutes les 5 minutes. Donc, et puis qu'on imagine toutes ces applications. Donc, c'est dans les années 1780 que ça démarre. Mais donc on l'applique aux machines textiles, mais ensuite l'application à la diligence qui donne la locomotive, la première locomotive opérationnelle, c'est 1815. Et le déploiement des premières lignes de chemin de fer qui vont complètement transformer l'histoire économique de l'Europe de l'Ouest, puis ensuite des États-Unis, c'est 1830. Donc on a un demi-siècle pour cette évolution-là. Et on retrouve des éléments de même nature pour la révolution de l'électricité. Et ensuite, vous avez un deuxième demi-siècle de développement de la demande des produits de cette révolution industrielle. On parle dans ce cas-là de révolution des usages. Alors là, c'est une proposition que je fais. On définit souvent les classes moyennes par les niveaux de vie, par les modes d'appartenance. Je propose une autre définition des classes moyennes qui est l'ensemble des gens qui produisent les produits d'une révolution industrielle et qui les achètent. Exemple, dans la deuxième révolution industrielle, c'est l'intuition géniale d'Henry Ford quand il dit « je double le salaire de mes ouvriers pour qu'ils achètent mes bagnoles bon. ». Donc c'est cette idée-là, c'est que ce sont ceux qui produisent, qui achètent les produits de la révolution industrielle et qui sont le cœur de la transformation du système. Alors ici, très rapidement, en une seconde, et après il y aura peut-être des débats, des contestations, ce n'est pas le problème, on fait une hypothèse donc réfutable qui est que potentiellement, possiblement, cette maquette sur les deux premières, qui se vérifie assez bien sur les deux premières révolutions industrielles, va s'appliquer à la troisième. Alors, ça ouvre des perspectives qui font que la profession d'économiste est souvent mal comprise. On reproche souvent à la profession des économistes de ne pas avoir compris ou prévu ce qui allait se passer dans 3 mois. Mais souvent, les économistes sont là pour donner du sens sur le moyen long terme. On ne sait pas si, là il y a une reprise minuscule en Europe, on ne sait pas si elle ne va pas s'affaiblir dès 2019, donc on voit bien qu'on est dans une incertitude radicale au plan mondial, mais en même temps, si ce modèle est exact, ça nous permet de dire des choses bouleversantes, à savoir que la troisième révolution industrielle est vraisemblablement, est déjà dans une phase d'accélération de la mutation qui est en cours, on le voit autour de nous, que les années 2020 vont être la décennie qui, au fond, va porter à maturité toutes les transformations qui sont en cours depuis 30 ou 40 ans, et que si ça se vérifie, donc on le sait dans 10 ans, eh bien, alors qu'on a du mal à dire où on va dans 18 mois, eh bien, on est peut-être, et que tout le monde est désespéré, et que tout le monde parle de la fin du monde, on est peut-être à la veille de 30 à 40 années de très forte croissance. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, que je me bats contre ceux qui disent que c'est peut-être la quatrième, la cinquième, la sixième révolution industrielle, on peut toujours tout dire, mais du coup, ça casse complètement le modèle dans lequel on est. J'ai déjà épuisé mon temps. D'abord, et donc, il me reste quoi, 3 minutes? Voilà. Et donc, faisons l'hypothèse que cette maquette observée sur les deux premières s'applique. Donc, à ce moment-là, on est peut-être à la veille d'une mutation extraordinaire. Ce schéma, il n'est pas seulement intellectuel, mais par exemple, si on doit penser l'avenir de la France, je vois les 3/4 d'entre vous ont 18 ans, ou, enfin entre 15 et 18, donc c'est de vous qu'on parle. C'est les 30 prochaines années, c'est de votre vie. Vous serez peut-être... ma génération a vécu depuis 3 décennies dans la crise, sous ses multiples formes, et vous, vous allez peut-être à nouveau reconnaître les 30 glorieuses qu'ont connues nos grands-parents de 1945 à 1980. Alors, comme Antoine Reverchon l'a dit tout à l'heure, cette mutation, on essaye de la caractériser. J'ai co-créé avec 2 autres personnes un institut de l'économie avec un I, donc ça a été créé il y a 3 ans, et on essaye de comprendre la mutation qui est en cours, qui est une mutation absolument globale, et donc que j'ai essayé de synthétiser dans ce slide, qui est donc l'économie entrepreneuriale. Alors pourquoi le I ? C'est le I, bien sûr, d'intelligence et d'informatique. L'informatique n'est pas du tout comprise. Aujourd'hui, on ne parle que de numérique, on ne parle pas d'informatique. On ne sait pas que le numérique est, au fond, pour moi, un sous-produit de l'informatique, que l'informatique est une mutation totale, comme la mutation de l'électricité. Et puis, bien sûr, Internet, innovation, intégration de systèmes, c'est un autre sujet qu'on comprend mal. Mais tout le système industriel aujourd'hui est en intégration de systèmes. Quand vous prenez Airbus, Airbus fait 20% de la valeur ajoutée d'un avion. 80% est faite de la valeur ajoutée est faite par des sous-traitants, qui eux-mêmes travaillent avec des processus de production,
et tous les éléments de la chaîne travaillent avec des processus de production, et c'est l'informatique qui intègre tous les systèmes de processus. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration des systèmes de production. Eh bien, ça n'est même pas imaginable et concevable un millième de seconde sans l'informatique. Donc, il y a trois fils qui se mêlent pour constituer cette économie entrepreneuriale. Le premier fil, qui est une mutation scientifique et technologique, qui est celle qu'on comprend le mieux en France, puisqu'il y a encore des restes de la grande tradition française scientifique et industrielle, qui s'est fortement affaiblie dans les 30 dernières années, qu'il faut absolument reconstruire, sinon la France sera complètement balayée dans cette troisième révolution industrielle. Mais donc, c'est cette économie de l'informatique, de l'Internet, des logiciels en réseau, de l'intégration des systèmes, donc qui s'appuie sur les progrès foudroyants de la microélectronique. Donc, c'est cette mutation scientifique et technologique, Microsoft étant au cœur de ces mutations. Ensuite, ce qui est fascinant, je n'ai pas le temps de le développer, mais quand on regarde chacune des révolutions industrielles, elles ne se font pas par les mêmes processus. La première révolution industrielle a été largement une révolution d'entrepreneurs, la deuxième révolution industrielle a été une révolution de grandes entreprises, et la troisième revient à un mix micro-entrepreneur-entreprise. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici économie entrepreneuriale, les entrepreneurs jouent un rôle clé. Et donc la deuxième mutation, c'est une mutation capitalistique et entrepreneuriale. Entrepreneur, c'est devenu un peu plus sympa depuis 20 ans en France, mais globalement, ici, on ne parle que de gros mots. Industrie, informatique, capitalisme ou capital, entrepreneur, c'était en France devenu des gros mots dans les 20 ou 25 dernières années. Donc, c'est quelque chose qui nous gêne aussi pour comprendre en France la mutation qui est en cours. Et la troisième le troisième fil, c'est cette mutation des usages, avec ce terme qui peut sembler étrange, mais qui s'explique facilement, l'entrée dans l'économie servicielle des effets utiles. De quoi s'agit-il ? Quand vous achetez un iPhone, vous achetez une bête, une petite machine mécanique, électronique, mais surtout, vous rentrez dans l'écosystème d'Apple, et ensuite, vous allez acheter sans arrêt des logiciels. Bon. Et puis, par ailleurs, de plus en plus, on nous dit, ben, pour l'automobile, ça va être pareil, on ne va plus acheter la voiture même, carrément, on la louera, et on achète des heures de voiture. Donc, c'est cette économie servicielle. Donc, le point clé, c'est que tout ceci nous fait rentrer dans une nouvelle industrie, Donc ça, c'est un point décisif, je ne le traite pas, mais le sens d'industrie, le mot industrie, recouvre une notion totalement différente à chaque révolution industrielle. L'industrie dans la première, c'est ce qui marche à la vapeur, l'industrie dans la deuxième, c'est ce qui marche à l'électricité, l'industrie dans la troisième, c'est ce qui marche à l'informatique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'industrie manufacturière en France, c'est dans la catégorie intellectuelle de la deuxième révolution industrielle. Mais dans la troisième révolution industrielle, les banques, l'assurance sont dans l'industrie. Quand Publicis devient le numéro un de la publicité sur Internet dans le monde, il devient une entreprise industrielle. Toutes nos catégories intellectuelles sont bouleversées. Alors, passer sur les éléments moteurs, le point clé, c'est qu'il y a toute raison de penser que toute cette révolution industrielle s'est mise en place pendant une trentaine d'années, mais que depuis 3-4 ans, on vit une accélération incroyable de cette révolution industrielle, et que vraisemblablement, en 2025, les sauts technologiques, sociétaux et d'usage seront derrière nous. Ça veut dire qu'on parle d'un phénomène qui est en pleine accélération, ce n'est pas un phénomène futur, c'est un phénomène qui a déjà changé massivement la société et qui va la changer encore. Je ne vais pas traiter ces questions-là, et troisième ou quatrième. Donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est que la mutation qui se produit est d'ampleur inouïe. Au fond, quand vous réfléchissez à ce qu'était la classe moyenne, au sens où je l'ai défini tout à l'heure pour la première révolution industrielle, il y avait à peu près 50 millions de personnes en 1850 en Europe de l'Ouest qui étaient les acteurs de cette troisième révolution industrielle. Dans les années 1950, pour la deuxième, vous aviez 500 millions de personnes, et l'UNCTAD, la division des Nations Unies, nous annonce 5 milliards de personnes en 2030 qui seraient les acteurs de la troisième révolution industrielle. Donc on parle d'une mutation colossale. Dernier point, peut-être avant les GAFAM, j'accélère encore. Nous avons la mutation qui est en cours. Ça, c'est, faut que vous le compreniez. C'est une mutation qui est également culturelle. Donc, cette mutation, elle est hyper industrielle. Alors qu'en France, depuis 20 ans, on nous sert un discours de l'entrée dans un monde post-industriel, post-travail.
Donc quand collectivement les élites sont fondées sur l'entrée dans un monde post-industriel, post-travail, alors qu'on est entré déjà depuis 20 ans et que ça s'accélère dans un monde hyper-industriel, vous êtes juste à côté de la route. Ensuite, c'est un monde hyper-entrepreneurial et il se trouve que c'est hyper-capitalistique. Pourquoi ? Parce que la caractéristique de la révolution actuelle, elle est un rendement croissant. C'est le premier qui gagne, qui ramasse la mise. Et donc, on ne peut pas financer par le crédit, mais par des capitaux. Et donc, c'est une mutation du système de financement. C'est pour ça qu'avec Jean Hervé, on se bat depuis 15 ans pour que la France, enfin, construise des instruments de financement à long terme. Ça apparaît comme une question technique pour la plupart des gens, alors qu'il n'y a rien de plus stratégique et politique que cette question-là. Donc si on néglige l'industrie, si on condamne et surtaxe les profits, si on ne permet pas à l'entrepreneuriat de prospérer, alors on passe à côté de la troisième révolution industrielle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la redistribution, mais ça doit venir après. Donc j'ai terminé, juste un point que je n'ai pas eu le temps de développer, c'est que donc, dans cette mutation industrielle, l'économie aujourd'hui, c'est 40% de l'économie. L'industrie, quand on vous parle de l'industrie aujourd'hui, c'est l'industrie manufacturière de la deuxième révolution industrielle, elle fait 12 points de PIB, mais l'industrie au sens de la troisième révolution industrielle fait 40 points de PIB. Vous voyez qu'on ne parle pas des mêmes objets, du coup vous devinez instinctivement qu'on ne met pas en place les mêmes politiques, ni financières, ni sociales, ni industrielles, et puis les GAFAM dont on parle beaucoup, qui sont ces plateformes de mise en relation qui sont au cœur de la révolution des usages, eh bien, ces GAFAM, c'est une petite partie de cette révolution industrielle, puisque, par exemple, quand je vous ai parlé d'intégration de systèmes chez Airbus, on n'est pas chez les GAFAM. Hein. Donc, les GAFAM, c'est une petite partie. En gros, pour faire simple, l'économie des GAFAM et de l'Internet, c'est entre 5 et 7 points de PIB au plan mondial. Donc, économie, 40 points de PIB, GAFAM et Internet de manière générale, entre 5 et 7, et en sous-bassement de tout ça, là, une révolution informatique qui est niée en France, hein, puisque c'est un débat qui a été lancé par Berry, qui est professeur au Collège de France. On n'enseigne pas l'informatique en France. On a même supprimé l'agrégation d'informatique en 1997, au moment même où la révolution d'informatique s'accélérait. Donc vous voyez que la conception intellectuelle des mutations, elle est absolument décisive. Elle a même un impact sur les politiques d'éducation, sur les politiques culturelles. Donc c'est absolument fondamental de comprendre la nature de la mutation en cours, sinon on se gourre dans tous les domaines. Merci. Merci Christian. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là ce matin lors d'une conférence précédente où il avait été dressé un tableau beaucoup plus sombre de ce qu'apportait la révolution numérique. Donc là, on est et à un moment donné, les questions qui se posaient sur la tablette, justement, je vais en parler, étaient, bon, on n'a plus qu'à jeter par la fenêtre parce que le numérique, les GAFAM, justement, envahissent nos vies. Donc c'est terrible. Là, on a un son de cloche radicalement différent. Et alors j'en profite pour vous dire justement à propos de la tablette que vous pouvez envoyer des questions au numéro qui normalement devrait s'afficher incessamment sous peu par SMS. Ces questions s'afficheront sur la tablette dont je dispose et après on pourra en faire une synthèse et y répondre collectivement ou individuellement selon la nature de la question. Voilà, donc voilà le numéro qui s'affiche. Vous pouvez envoyer d'ores et déjà les questions puisqu'elles vont s'accumuler sur cette tablette. Bien. Jean-Hervé Lorenzi va peut-être aborder directement la question des GAFAM. Non. Mais moyennant un léger détour, comme il en a l'habitude, mais pour arriver au propos de son livre, qui est « Faut-il démanteler Google ?» Bon, très rapidement, j'ai applaudi mon ami Christian Saint-Étienne avec enthousiasme, qui est vraiment très bon, mais je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il dit. Deuxième, alors pourquoi je ne suis pas d'accord et pourquoi, à mon avis, le débat que nous avons entre économistes, qui d'ailleurs c'est peut-être lui qui a raison, donc ce n'est pas du tout un acte d'autorité intellectuelle, mais est important. Au fond, toute la question est la suivante, c'est est-ce que les chocs technologiques auxquels nous assistons, qui sont évidents, qui sont très forts, est-ce qu'ils représentent une révolution industrielle ? Et en réalité, une révolution industrielle, il faut bien en donner une définition. Une révolution industrielle, c'est un moment où la trajectoire de l'économie mondiale ou de l'économie d'un pays se trouve modifiée de manière significative. Au jour d'aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'était très intéressant, depuis 30 ans, depuis 3 décennies, nous sommes ce que nous appelons une crise. En réalité, on n'est
pas tellement dans une crise. Enfin, nous, en France, nous le sommes, mais pas tellement le reste du monde. Il y a eu des évolutions très significatives. Et depuis quelques années, pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer, mais qui sont le vieillissement de la population, les problèmes d'inégalité, les problèmes de technologie, mais choc technologique et pas révolution industrielle, l'économie mondiale ralentit. Et au fond, quand on regarde bien, la caractéristique de la trajectoire de l'économie mondiale, même si on dit brutalement depuis 2-3 jours que la politique de Trump a des effets exceptionnels, ce qui me paraît très abusif, on s'aperçoit qu'on avait en gros 5% de croissance jusqu'en 2007, il y a eu la crise financière, et en fait on est reparti de manière, pour le moment, de manière assez stable, sur un taux de croissance compris entre 3 et 3,5. C'est une autre trajectoire, mais ce que Christian Saint-Étienne, avec tout son talent, nous a annoncé, c'est une trajectoire lumineuse. Peut-être pas en France d'ailleurs, partout, mais une trajectoire de redémarrage, peut-être, de l'économie mondiale. Si, quand il dit peut-être, ça signifie que nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet. Et nous ne sommes pas entrés dans le vif du sujet, c'est dans les chiffres qu'il a d'ailleurs donnés, dans cette idée que lorsqu'on prend le numérique au sens strict, le numérique sur un plan scientifique, ça n'est pas du tout là où ça se passe. Hein. Il faut pas. L'évolution scientifique se porte dans la génétique, dans l'énergie en devenir, dans l'astrophysique, dans les nanotechnologies. Le numérique, c'est une capacité de plus en plus talentueuse. C'est formidable. Hein. On a tous des tas d'appareils qui sont très utiles, mais c'est une capacité de traiter et de stocker de l'information de manière beaucoup plus importante, de plus en plus. Donc chacun a son iPad. Mais ce n'est pas une révolution scientifique. Alors que ce qui se passe, ou ce qui va se passer, ou ce qui va brutalement être transformé dans les années qui viennent en termes de génétique, par exemple, c'est absolument déterminant. Et en matière économique, parce que ça va jouer sur la durée de vie, sur des tas de choses, sur les maladies, sur plein de sujets, et puis en termes sociologiques, de société, puisque ça va profondément transformer nos rapports à notre corps, à la vie, à la mort, à tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ma première constatation, c'est de dire, je ne suis pas sûr que la fameuse révolution industrielle lancée, qui sûrement ne s'appelle pas numérique, hein, qui est une révolution industrielle, pas plus d'ailleurs que tu n'as évoqué pour la première révolution industrielle le fait que c'était uniquement la machine à vapeur, ou la seconde que c'était uniquement l'électricité. C'est beaucoup de choses. Souvenez-vous que Schumpeter disait, je dis ça pour les élèves, Schumpeter disait que ce sont des grappes d'innovation qui font une révolution industrielle. Je ne suis pas sûr qu'on soit en réalité rentré dedans. C'est en ça que ma discussion est importante. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas rentré vraiment dedans, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de degrés de liberté sur la manière dont on va pouvoir gérer cette situation. Et en étant un enthousiaste, un positif, je reviens à la question posée par Antoine Reverchon, nos fameuses GAFAM, les voilà, ils sont maintenant au cœur de cette position. Est-ce que dans les 10 ans qui viennent, le monde sera déterminé, dominé par un certain nombre d'entreprises qui sont très respectables, elles sont formidables d'ailleurs, hein. Google c'est formidable, tout ça est formidable, mais qui se trouvent à avoir des caractéristiques sur lesquelles on va revenir dans un instant et qui donnent à ces entreprises une sorte de domination sur le monde qui est frappante. Je rajoute juste un mot d'économie. Au jour d'aujourd'hui, une révolution industrielle, ça transforme très profondément l'ensemble des marchés, la consommation, etc. Sur le travail, c'est vraisemblablement là où les choses se passent de la manière la plus significative et de la manière la plus ennuyeuse. C'est pour ça qu'il y a des évolutions qui ne sont pas définitivement inscrites parce qu'il faut les changer. Nous assistons notamment dans tous les pays développés, dans le nôtre, comme aux États-Unis, à une bipolarisation du marché du travail. Quand Amazon qui dit qu'il crée 1000 emplois, il crée 100 emplois de technologie top, des comptables, des sociétés, puis 90 personnes qui font des paquets. Et cette bipolarisation, il faut bien que vous voyez qu'elle est en marche, qu'elle existe, puisque on est tous surpris de cette idée que, brutalement, tous les politologues vous disent « c'est terrible ». Il y a des classes moyennes, mais il y a du populisme, etc. C'est pas compliqué. C'est tout simplement le fait que nos sociétés, qui sont composées de gens aussi sympathiques aujourd'hui qu'ils l'étaient hier et qu'ils seront demain, sont composées de gens qui ont peur de se retrouver dans cette bipolarisation d'un marché du travail qui les amènerait à se trouver avec des qualifications qui sont faibles. Ce qui veut dire que la question de savoir où nous en sommes est déterminante, car si nous sommes optimistes
Et moi, c'est plutôt pour mes enfants que je le suis, parce que dans 30 ans, j'ai vraisemblable que ni Christian ni moi ne pourrons réellement débattre. Mais on sera vraiment très fatigués. Mais la réalité, c'est que le monde, par exemple, du travail, le monde qu'on va construire, il doit être construit autour de l'idée que cette bipolarisation n'est pas un bien en soi. La transformation politique auquel on assiste n'est pas un bien en soi. Il faut qu'on retrouve le même enthousiasme. Mais ça, c'est devant nous. Et donc, c'est parce que... Alors, là-dedans... Viens-en aux caractéristiques des GAFAM. Pour transformer, pour faire évoluer nos sociétés comme nous pouvons le souhaiter, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles les hommes sont, au fond, dans un état de ce que Edmund Phelps appelait la prospérité, c'est-à-dire, pour un individu, le fait de se développer tout au long de sa vie. C'est une définition humaniste que chacun peut accepter. Pour que ceci ait lieu, il faut, à ce moment-là, qu'apparaissent des projets. Et c'est là où les GAFA ou GAFAM, où il y en a même une dizaine, qui sont des entreprises, une fois de plus, formidables. Le problème, ce n'est pas chez eux, c'est dans ceux qui sont censés définir un avenir à nos sociétés, c'est-à-dire ce qu'on appelle d'une manière générale les politiques. Il faut donc que nous arrivions à définir un projet, par exemple, l'idée que tout au long d'une vie, quelqu'un va pouvoir s'épanouir, va pouvoir se former, va pouvoir trouver des métiers, etc. Or, ce qui est très frappant aujourd'hui, ce n'est pas tellement que les GAFAM soient gigantesques. Ça, honnêtement, on verra bien. De toute façon, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Les GAFAM ne seront pas dans les mêmes situations dans les 10 ans qui viennent. Je fais confiance aux réactions américaines sur ces sujets-là. Mais c'est le fait que le discours sur l'évolution de nos sociétés, en réalité, aujourd'hui, n'est porté en aucun moment par les politiques qui n'ont peur que de demain, que des populistes, que de ceci, que de cela. Il n'y a pas de discours politique qui nous enflamme, qui nous dise quelle peut être la société pour les gens en 2050 qui permettent en réalité de faire améliorer nos sociétés. Mais il est porté par les responsables de ces entreprises, les GAFAM, qui s'expriment sur tous les sujets et qui, il ne faut jamais l'oublier, sont en réalité des entreprises, je parle des GAFAM, je dirais d'ailleurs GAFA, parce que j'enlève Microsoft par rapport à ce que je vais dire, qui sont aujourd'hui, en réalité, partie prenante, certes, du numérique, mais une fois de plus, le numérique, c'est pas ce qui compte dans les années qui viennent. Ils sont partie prenante de la génétique, ils sont partie prenante de l'astrophysique. Quand Elon Musk s'exprime, c'est qu'il explique qu'on va aller sur Mars, ce qui est super d'ailleurs, je veux dire, heureusement qu'il y a des Elon Musk, mais c'est pas à lui de le dire. Le projet ne peut pas être défini par 5 ou 10 patrons de grandes entreprises qui, aujourd'hui, au fond, envahissent le terrain ou le territoire naturel du discours du politique. Et, je termine, cher ami, puisque je réponds à la question, mais il fallait bien la préparer et bien la comprendre, je suis pour... Le mot démantèlement a un aspect, qui n'est pas très sympathique, alors que j'ai beaucoup de sympathie pour ces entreprises. Mais plutôt la remise dans un ordre naturel, c'est-à-dire un ordre où les politiques s'expriment sur l'avenir et les entreprises sont là pour faire évoluer, mettre en œuvre des innovations, transformer les marchés du travail, mais ne sont pas là pour déterminer ce que doit être notre avenir. Et mon idée est que, de la même manière, chers amis, de la même manière que le peuple américain, puisque c'est comme ça que ça s'est passé, à la fin du 19e siècle, exaspéré par les trusts, ayant cette relation, cette idée simple, que ce ne sont pas aux entreprises de diriger le monde, ont finalement fait monter la fameuse affaire de la Standard Oil of New Jersey de Rockefeller, ont imposé à travers une évolution juridique extrêmement simple, enfin, et forte, de la concurrence qui était celle du Sherman ou du Clayton Act, c'est-à-dire le début du XXe siècle. Ils ont cassé cette entreprise en 34 entreprises. Et puis, quelques années après, il y a eu la grande crise, il y a eu la guerre, donc tout ça est passé au second plan, et on a vu apparaître de la même manière un petit juge qui s'appelait le juge Green, et ce petit juge a jugé qu'il n'était pas normal que l'entreprise ATT, qui avait 1 million de salariés, décide pour le peuple américain ce qui était bon pour lui, et ce petit juge a cassé le ATT en 7 entreprises qui s'appelaient, je crois, de mémoire, les BOC,
Donc les BOC. Et Baby Bell Operating Companies. Et donc, c'est cette idée qu'aux États-Unis, il y a toujours eu cette volonté de voir le politique, enfin l'évolution des sociétés déterminée par les gens qui ont en charge cela, sachant que derrière, les entreprises doivent prospérer. Ma conviction, c'est donc que les GAFA sont des entreprises très talentueuses. À un moment ou un autre, il faudra qu'elles payent leurs impôts, parce qu'au fond, il n'y a pas de raison qu'on soit seul dans cette salle à les payer. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée qu'ils s'y mettent. Mais au-delà de tout ça, alors, ce qui est très frappant dans l'affaire des impôts, c'est que c'est très symbolique. C'est qu'au fond, vous vous souvenez que le Danemark a en réalité créé le poste d'ambassadeur du Danemark auprès des GAFA, c'est-à-dire à considérer que c'était la puissance majeure dans notre monde. Et donc, les GAFA, assez légitimement, se disent « Nous sommes en réalité porteurs des intérêts du monde et c'est normal que nous ne payons pas d'impôts, puisque c'est, au fond, nous serions plus prêts à prélever les impôts qu'à les payer. » Donc, cette affaire d'impôts est symboliquement importante, mais vous verrez que la discussion va porter sur des problèmes de concurrence. Les problèmes de concurrence, c'est toujours important, mais c'est secondaire. Ce qui compte dans l'affaire des GAFA, c'est... Il n'y a aucune prétention dans ce que je veux dire, parce que c'est dit par beaucoup de gens, mais c'est ce que j'évoque, c'est-à-dire le fait qu'aucune entreprise, aucun groupe d'entreprises ne peut se sentir porteur de ce qu'est l'intérêt de la collectivité monde et de déterminer pour nous ce que doit être l'évolution du monde. Donc, il y aura aux États-Unis, en Europe, ça va se bagarrer sur les impôts, aux États-Unis, il y aura à un moment ou un autre une remise en cause du pouvoir exorbitant, intellectuel, idéologique de ces entreprises. Et ces entreprises prospéreront, mais sous forme de 4 Google, 22 Amazon, etc., etc. Je vais terminer, puisque j'ai abouti à cette conclusion. Il est souhaitable que cette évolution, au fond, arrive rapidement, à la fois parce que c'est, au fond, éthiquement, idéologiquement, quelles que soient les opinions des uns et des autres, une bonne chose. Et deuxième aspect, c'est que, dans la réalité, c'est possible, tout simplement parce que, et c'est ma petite divergence avec mon ami Christian, nous ne sommes qu'au début du processus, le processus de révolution industrielle est plutôt devant nous qu'en cours, et qu'il est donc modifiable, c'est en ça que je suis un optimiste absolu, et qu'on peut déterminer une trajectoire ou une autre, et cette affaire de GAFA joue un rôle très important dans la manière dont on le gère. J'ai peur qu'on le gère dans... trop longtemps sur le sujet uniquement de la concurrence ou des impôts. C'est un sujet d'abord et avant tout de société. Et c'est la raison pour laquelle ce livre sympathique que j'ai écrit et que vous pouvez tout à fait lire, je vous le recommande d'ailleurs, s'appelle « L'avenir de notre liberté ». C'est bien de ça dont il s'agit, c'est de notre liberté dont il s'agit. J'ai un peu dérivé par rapport à mon statut d'économiste traditionnel, mais je voulais faire contrepoint à mon ami Christian. Merci. J'ose espérer qu'à travers l'intervention de Jean-Hervé Lorenzi, il y a un certain nombre de questions qui sont sur la tablette auxquelles il a été répondu sur c'est quoi les caractéristiques des GAFA, qu'est-ce qui fait leur domination, la nature de leur domination. Donc, sinon, on y reviendra encore. Julien Mendoza, est-ce que... Du coup, j'utilise quand même les questions pour vous orienter un petit peu. Est-ce que les GAFAM, le modèle économique des GAFAM et la nature de leurs activités représentent quelque chose de particulier dans l'ensemble de ce qui se fait, de ce qui peut se faire, de ce qui devrait se faire ou pourrait se faire quand on parle de numérisation de l'économie, de stratégie numérique, de modèle numérique de développement. Voilà, c'est cette différence, il y a une différence particulière, qu'il y a quelque chose qui caractérise des GAFAM par rapport à ça et qui mériterait du coup d'être corrigé pour faire une autre économie numérique est-elle possible ? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir, à mon sens, sur le premier point, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va entendre par cette économie numérique et derrière, quels sont les business models qui sous-tendent l'économie numérique. Si on prend les GAFAM, en réalité, derrière, je ne sais pas si vous avez probablement entendu cette notion d'économie de plateforme qui a été évoquée à l'instant. Et qu'est-ce qu'une économie de plateforme ? Ça existe depuis, en fait, très longtemps. C'est la mise en relation, finalement, entre, eh bien, par exemple, des publicitaires et des usagers. En partant du principe qu'il y a des économies de plateforme et que
tous les GAFAM se constituent dans cette mise en relation. Ils vont exploiter ce que va permettre le numérique, ce qu'on appelle donc les effets de réseau. Et ça, ça va être très important parce que les effets de réseau, ça veut dire que plus on va être sur une plateforme et plus l'utilité de cette plateforme va augmenter pour le prochain utilisateur. Donc, regardez sur Facebook, plus on sera nombreux sur Facebook, plus il y aura une utilité d'être sur Facebook. Pareil sur Google, parce que de l'autre côté, eh bien, leur algorithme va s'améliorer. Ce qui pose la question de, plus ces GAFA auront une taille importante, est-ce que la concurrence pourra émerger ? Parce que plus les effets de réseau sont importants, plus ça sera difficile d'aller sur un nouveau réseau où il n'y aura personne. À mon sens, et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger, c'est de se dire que finalement, toute l'économie numérique se base actuellement sur ces économies de plateforme. Toutes les nouvelles start-up sont des mises en relation, que vous preniez BlaBlaCar, que vous preniez Uber, c'est toutes des mises en relation. La question qui se pose du coup, c'est que, étant donné que toutes ces économies sont sous un système de plateforme, quelle est la possibilité pour une économie alternative ? Et quel est l'intérêt d'avoir une économie alternative ? Je pense que la question de cette économie alternative des GAFA doit se poser en fonction plutôt de ce qui a été posé jusqu'à présent du point de vue politique, c'est-à-dire que ces GAFA ont une force de frappe liée à une notion qui n'a pas été encore vraiment abordée, c'est la notion des données personnelles. Ça veut dire que ces GAFA-là, en fait, ce n'est pas tant le business model qui est, à mon sens, vraiment en jeu, c'est plutôt ce qui sous-tend ce business model, c'est l'exploitation de nos données. Et en parlant de cette exploitation de nos données, à ce moment-là, on rentre dans une autre dimension. La dimension qui est, à mon sens, de deux sortes, qui est celle, plus généralement, de ce qu'on va appeler l'économie de l'attention, et derrière, l'influence sociale qui va composer cette économie de l'attention. Alors, pourquoi je parle d'économie de l'attention ? Parce que l'objectif de toutes ces entreprises-là, c'est qu'on reste, évidemment, le plus longtemps possible sur leur plateforme. Vous voyez que Facebook, ils essayent régulièrement de changer leur algorithme pour que eh bien, vous allez avoir des vidéos, donc vous allez rester du temps. Donc si vous restez, donc du coup, on peut mettre de la publicité. Google fait la même chose. Au départ, ils étaient un moteur de recherche. Ils se disent, mais comment on peut capter l'attention des usagers ? On va créer un mail. Et puis, ce n'est pas suffisant. On se dit que de l'autre côté, maintenant, l'usage a été modifié, parce que l'usage, c'est quand même au cœur aussi de leur business model. Et bien, par conséquent, on va racheter YouTube. Et donc, on voit que toutes les évolutions de ces business models, c'est d'une part, un, pour engranger le maximum de données personnelles, et que d'autre part, pour capter notre attention. Une fois qu'on a posé ça, on peut se poser une autre question, c'est que, du coup, si on a autant de données personnelles, on a une capacité prédictive. Ça veut dire que l'objectif d'avoir des données personnelles, c'est évidemment de pouvoir avoir un profil des utilisateurs de plus en plus fin. Et donc se pose la question de la sélection. Jusqu'à présent, on a beaucoup filé la métaphore de l'écosystème, et je trouve que cette métaphore est plutôt intéressante, parce que la question de l'écosystème, si on en revient un petit peu à cette idée darwinienne de l'économie, c'est de se dire, en fait, finalement, les entreprises, comment elles pourraient être sélectionnées ? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une entreprise va être viable ? Alors, on peut prendre plein de critères, que ce soit la rentabilité économique, le profit, etc. Cependant, qu'est-ce qui va faire en sorte que cette économie va émerger ? Prenons n'importe quelle entreprise sur les médias, donc je crée une start-up, par exemple, et j'ai envie d'un peu de visibilité. Où je peux avoir cette visibilité-là ? Principalement sur le moteur de recherche qui est Google. Mais là, ça pose un problème, parce que Google a la maîtrise de son algorithme. Donc c'est une entreprise qui va me permettre d'avoir la visibilité, et sauf que son algorithme, moi je n'ai aucune, à part en payant et en chargeant de la publicité, mais autrement, moi, en tant que start-up, j'ai aucune visibilité de savoir pourquoi mon entreprise sera bien ou mal classée. Et on sait très bien que si mon entreprise est mal classée chez Google, ça sera très difficile de percer. Et si Google propose, par exemple, un service qui est concurrent, qui me dit que Google ne va pas mettre en premier son entreprise plutôt que la mienne ? Sur quels critères ils vont construire leur algorithme ? Donc on voit derrière qu'il y a la question de l'algorithme, encore une fois la question des données, parce que Google, en ayant toutes nos données, ils ont les capacités à pouvoir vérifier, en fait, finalement, de pouvoir sélectionner les différents usages qui sont les plus pertinents, parce qu'ils étudient tous nos comportements. Et en étudiant ces comportements-là, il y a une certaine forme qu'on peut traduire avec des études qui ont été montrées, notamment par plusieurs économistes sur Facebook, cette idée de conformisme. Quelles sont les entreprises qui vont émerger plus facilement ? Si tout le monde fait, par exemple, like une vidéo, cette vidéo va
émerger et être dominante sur Facebook, sur YouTube, pareil sur tous les autres réseaux sociaux. Et donc, par conséquent, cette vidéo-là, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle soit majoritaire, en tout cas, elle prédomine sur les autres? Eh bien, l'influence sociale, cette conformité. Et qui a la maîtrise de cette conformité? C'est, encore une fois, l'algorithme de Facebook, l'algorithme, pareil, de recommandation d'Amazon, qui va faire en sorte qu'ils vont présélectionner, selon différents types de critères, des entreprises, ils vont favoriser. Et donc, cette sélection, si on reprend la métaphore darwinienne, il faut, enfin, pour reprendre ce que dit Darwin, il explique qu'une entreprise, enfin, quelque chose est adapté du moment qu'elle était sélectionnée. Donc c'est l'adaptation qui va faire la sélection naturelle. Eh bien ici, cette adaptation des entreprises, on a très peu de visibilité parce que la sélection se fait par des algorithmes sur lesquels on n'a aucune main, aucune maîtrise. Et donc là aussi, c'est une question en termes concurrentiels. Si je reviens aussi sur les données, il y a une autre question en termes concurrentiels qui est plutôt intéressante, c'est que jusqu'à présent, les autorités de concurrence ont considéré qu'il y avait des problèmes en matière de données uniquement lorsque les données étaient une facilité essentielle. Ça veut dire que c'était obligatoire pour rentrer sur un marché. Il y a eu un cas comme ça en France où une entreprise, donc ce n'était pas les GAFA, disposait de toutes les données médicales. Et en parallèle, il vendait un logiciel de CRM, donc d'utilisation de ces données-là. Moi, je suis une entreprise concurrente et je veux vendre aussi un logiciel de CRM. Ben, je ne peux pas rentrer sur le marché parce que la base de données est détenue par mon entreprise concurrente. Ben, là, ça pose un sérieux problème. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'entreprise a cassé. Enfin, en tout cas, les autorités de concurrence ont décidé que l'entreprise concurrente avait le droit d'avoir accès à ces données-là. Mais on peut se poser la question aussi pour Google, pour Facebook, de la même manière. Ça veut dire que, est-ce que, d'une certaine manière, les autorités de concurrence ont bien une bonne visibilité sur la captation et sur la collecte sur nos données? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas derrière des problématiques concurrentielles qu'on n'arrive pas tout à fait encore à élucider, parce que peut-être que la théorie économique est encore mieux sur ces sujets? Et je pense que là aussi, c'est au-delà du problème politique de l'exploitation de nos données personnelles, est aussi une question qui doit être soulevée. Merci. Là encore, je crois qu'il y a un certain nombre de questions qui étaient posées ici sur comment les GAFAM sont devenues les puissances qu'elles sont. Quels sont les problèmes qu'elle pose qui ont été abordés. Mais avec Gilles Dowek, on va élargir le sujet, puisque Mme Morin-Desailly ne nous y a pas rejoint. Nous allons pouvoir aborder, Gilles Dowek va aborder aussi la question de ce que peut faire la puissance publique, justement, par rapport à ces situations de monopole. On peut se poser des questions, justement, de transparence des algorithmes, de propriété intellectuelle, de à qui appartiennent les données et les algorithmes qui permettent de les traiter. Mais aussi de la façon dont nous, quotidiennement, dans l'usage que nous avons de ces petites machines, parce qu'on est assez contradictoire dans tout ce qu'on raconte, c'est que d'un côté, on dénonce et on dit « attention, les GAFAM représentent un pouvoir monopolistique, orientent nos vies, etc., rapide nos données », mais d'un autre côté, on est super content d'avoir un machin qui marche très vite et qui n'est pas cher. Hein. Donc on est aussi un peu contradictoire de ce côté-là. Donc qu'est-ce que la société aussi et les individus peuvent faire pour éventuellement avoir un autre rapport avec ces possibilités qu'offre le numérique, qu'offre cette mutation numérique, cette révolution numérique, pour en avoir les effets bénéfiques et non pas les effets négatifs. Gilles, donc. Merci. Quand vous m'avez invité, j'ai dit je ne vais pas venir, parce que le mot GAFA, GAFAM, GAFAMI, GAFAMOI sont des mots que je n'emploie pas d'habitude. Et c'est des mots qui sont forgés en prenant l'initiale du nom de 4, 5 ou 6 grandes entreprises, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, peut-être IBM, peut-être Intel, etc. Et ça focalise sur ces 5 entreprises. Alors d'abord, ces 5 entreprises n'ont pas grand-chose en commun. Facebook et Apple, c'est vraiment pas le même métier, ils font vraiment pas la même chose. Donc les mettre dans la même catégorie est peut-être une erreur. Et alors, si on veut faire une catégorie extrêmement large des entreprises d'informatique, pourquoi pas? À ce moment-là, il faudrait aussi citer Oracle, il faudrait aussi citer Uber, il faudrait aussi citer IBM, par exemple. Personne ne mentionne jamais, on va voir pourquoi. Plutôt que de parler de GAFAM, je vous propose de parler d'entreprises d'informatique géantes.
Et la première question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ces entreprises d'informatique sont géantes et pourquoi est-ce que chacune sur son, dans son secteur, plus ou moins, est en situation de monopole. Ce n'est pas vrai pour Apple, mais c'est vrai pour Google sur les moteurs de recherche et c'est vrai, par exemple, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais il y a en gros trois raisons pour lesquelles ces entreprises sont en situation de monopole et ces trois raisons ne s'appliquent pas aux mêmes entreprises. Il y a d'abord une raison qui est ce qu'on a appelé l'effet de réseau, et ça c'est typiquement vrai pour un moteur de recherche. Et donc l'effet de réseau, il est extrêmement simple à comprendre. Si vous avez deux moteurs de recherche sur le marché, si on a un qui a 40% de la population et l'autre qui a 60% de la population, et que vous, vous n'êtes abonné à aucun moteur de recherche, et bien vous vous dites, à aucun réseau social, et donc vous avez un réseau social qui a 40% de la population, l'autre 60% de la population, vous, vous voulez vous mettre sur un réseau social, et bien statistiquement, 40% de vos amis sont sur l'un, 60% de vos amis sont sur l'autre, vous allez sur celui où se trouvent 60% de vos amis. Maintenant, il n'y a plus 40 et 60, il y a 39 et 61. Et donc, même si au départ, entre deux concurrents, il y a une toute petite différence, c'est le plus gros qui va attirer tous les nouveaux clients et qui va devenir de plus en plus gros, alors que le plus petit va voir fuir ses clients vers le gros et devenir de plus en plus petit jusqu'à un seul point d'équilibre, qui est le point 0,1. Il y en a un qui est numéro 1 et l'autre qui est 0. Donc, il y a une tendance naturelle de ces entreprises à aller vers une situation de monopole. Alors, ce n'est pas la seule raison. Beaucoup de ces entreprises, 100% de leurs dépenses, c'est de la recherche et du développement. Ils n'ont aucun frais de fabrication, comme une entreprise qui fabrique des voitures a des frais. À chaque fois qu'on fabrique une voiture, il y a des frais. Du coup, si vous avez à nouveau une entreprise qui a 60% du marché et l'autre qui a 40% du marché, celle qui a 60% du marché gagne plus d'argent, mais n'en dépense pas plus, puisque il n'y a pas de coût de production. Le fait qu'elle ait 60% du marché, ça ne l'handicape aucunement, ça n'augmente aucunement ses dépenses. Et donc, elle peut investir davantage dans la recherche, et donc ses produits vont être meilleurs et meilleurs et meilleurs et meilleurs, alors que les petites entreprises vont peiner et ne vont pas arriver à développer des produits meilleurs aussi vite. Donc, dans des produits où, au bout de 2 ans, le produit est obsolète, et en fait, il est obsolète au bout de 3 mois, et il faut avoir un nouveau produit, de nouvelles fonctionnalités, etc., c'est les grosses entreprises qui deviennent de plus en plus grosses, et les petites entreprises qui deviennent de plus en plus petites. C'est le deuxième effet, c'est l'importance de la recherche et du développement qui fait que ces entreprises ont une tendance naturelle au monopole. Et puis, il y a un troisième effet qui s'applique à des entreprises complètement différentes, qui sont des entreprises comme Intel, qui fabriquent les circuits électriques, les circuits électroniques, les microprocesseurs, les puces. Et dans ce cas-là, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire, on est dans une économie qui est hyper capitaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme dans toute entreprise, il faut un capital pour commencer. Mais là, le capital qu'il faut pour commencer, il est astronomique. C'est-à-dire, là où il faut quelques centaines de millions d'euros pour construire une usine de voitures, il faut des dizaines de milliards d'euros pour construire une usine qui fait des microprocesseurs. Et de ce fait, l'humanité n'a pas les moyens de se payer des milliers d'usines. Et de ce fait, il n'y a que quelques dizaines d'usines dans le monde, dont 2 en Europe. En Europe, en tout, il y a 2 usines qui font des microprocesseurs, une à Dresde et une à Crolles. Et donc, on s'aperçoit que là aussi, simplement parce qu'on n'a pas les moyens de développer des milliers d'usines, eh bien, il y a une tendance naturelle à ces usines à être en monopole. Voilà, donc nous vivons dans un monde où, naturellement, les entreprises vont vers le monopole. Pas toutes, bien entendu, mais un grand nombre, et pour des raisons différentes, mais ça se produit en même temps, et ça fait une réelle différence, et là je serai d'accord avec vous, sur le fait que là il y a quelque chose qui est radicalement différent des révolutions de la vapeur et des révolutions de l'électricité, où il n'y avait pas cette tendance au monopole qui était aussi forte. Il y avait bien sûr des tendances monopolistiques, mais elles étaient beaucoup moins fortes. Et donc, nous sommes dans la situation, et il faut en avoir conscience, et il faut comprendre pourquoi nous sommes dans la situation du petit pousset face à l'ogre. Il est naturel, il est normal, il est dans l'ordre des choses que l'ogre nous mange. Nous sommes dans une situation dissymétrique. En face de nous, nous avons des entreprises immenses et nous, nous sommes petits. Bien, maintenant que nous avons fait ce constat, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que nous sommes condamnés à nous laisser manger? Est-ce que nous pouvons, comme la chef de M. Seguin, nous laisser manger, mais après nous être battus un peu pour la beauté du geste? Ou est-ce que nous pouvons, comme David contre Goliath, prendre notre fronde, viser le point faible chez Goliath et gagner face à ces entreprises? Alors, c'est,
peut-être un mélange des trois. Je pense qu'aucun des trois scénarios, qui est un peu caricatural, chacun à sa manière, aucun de ces trois scénarios n'est exact. Mais essayons de comprendre d'abord quels sont les talons d'Achille de ces entreprises, quels sont les moyens par lesquels nous pouvons gagner contre elles. Nous pouvons gagner une marge de liberté, nous pouvons gagner une marge d'indépendance face à elles. Le premier talon d'Achille, c'est que ces entreprises ne comprennent rien à l'économie en réseau. Alors c'est très bizarre parce qu'elles développent une économie en réseau, mais elles n'y comprennent rien. Je vous ai dit, pour beaucoup d'entreprises, l'essentiel de leur travail, c'est de développer des logiciels. Et comment est-ce qu'on développe un logiciel le mieux ? Eh bien, on développe un logiciel le mieux en s'y mettant à plusieurs. Et quand je dis à plusieurs, ce n'est pas à 4 personnes, ce n'est pas à 5 personnes, c'est à des milliers de développeurs. Et donc, il faut organiser des équipes de développement qui comprennent des milliers de personnes et qui sont sur les 5 continents. Et ces entreprises, pour énormes qu'elles soient, ne sont jamais assez grandes, n'ont jamais assez de développeurs pour former ces équipes. Et c'est pour ça que les équipes sont transnationales, transentreprises, transcontinentales. Un système comme Linux, par exemple, ne peut pas être développé par une seule entreprise, parce que s'il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Microsoft, il y a aussi beaucoup de gens qui n'y travaillent pas. Et en fait, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent développer Linux parce qu'ils ne travaillent pas chez Microsoft que de gens qui peuvent développer Windows parce qu'ils travaillent chez Microsoft. Et comme ceux qui développent Linux se mettent en réseau parce qu'ils ont des valeurs communes qui sont des valeurs de partage, des valeurs de gratuité, des valeurs de transparence, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, Linux n'est pas encore en train d'inverser la vapeur face à Windows, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire, il y a des solutions alternatives aux produits développés par ces grandes entreprises qui commencent à avoir des positions dominantes sur le marché. L'exemple typique de ce que ces grandes entreprises n'ont pas réussi et de ce que les communautés libres et ouvertes ont réussi, c'est Wikipédia. Il n'y a aucune entreprise qui n'a réussi à faire une encyclopédie de qualité d'aussi bonne qualité que Wikipédia, qui est une entreprise entièrement coopérative, entièrement gratuite, entièrement libre, entièrement ouverte, entièrement transparente. Et la raison est assez simple, c'est que si vous écrivez, on a cité Karl Popper, si vous écrivez la page Karl Popper dans Wikipédia, dans une encyclopédie classique, eh bien on demande à un philosophe d'écrire un truc sur Karl Popper, il écrit 3 paragraphes, c'est ce qu'il pense de Karl Popper, etc. C'est pas du tout comme ça que marche Wikipédia. Wikipédia, il y a des milliers de personnes qui vont apporter leur contribution sur la position de Karl Popper, sur la privatisation des universités, écrire 5 lignes là-dessus, et c'est l'expert mondial qui peut écrire ça. Et donc on s'aperçoit qu'à travers cet univers du libre, du logiciel libre, des données libres, des communs, eh bien, il se développe une alternative à l'économie des géants du net, des entreprises d'informatique géantes. Et ça, c'est leur premier talon d'Achille et c'est le premier point par lequel nous pouvons gagner un peu de liberté face à elles. Le deuxième point, c'est que vous avez oublié de dire que je faisais partie d'un comité d'éthique. Et quand on fait partie d'un comité d'éthique, les gens vous disent tout le temps l'éthique, c'est quelque chose qui nous ralentit. Vous mettez des normes, vous nous dites ça c'est bien, ça c'est pas bien, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça. Et quand on n'a pas le droit de faire quelque chose et que les concurrents le font, ils gagnent. On s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est le contraire. L'éthique est devenue un argument de vente. Et donc si vous êtes une petite entreprise qui fabrique un moteur de recherche et que vous dites, comme ça arrive, comme certaines entreprises le font, par exemple une entreprise niçoise que vous reconnaîtrez assez vite, et que vous dites, eh bien nous proposons un moteur de recherche, mais contrairement à Google, nous ne gardons pas trace de vos requêtes et nous ne vendons pas les données que nous avons collectées sur vous. Vous savez qu'à peu près, avec les requêtes que vous mettez dans un moteur de recherche, on peut savoir en 5 minutes qui vous êtes, ce que vous aimez, si vous fumez ou pas, etc. Bon. Et donc, si vous avez une entreprise qui vous dit, moi j'ai un comportement éthique, eh bien à ce moment-là, elle vous propose un produit qui est peut-être de moins bonne qualité sur le plan des propositions qui sont faites, des pages qui sont trouvées, de l'ordre qui est donné sur ces pages, mais elle vous propose un produit d'une meilleure qualité parce que ce produit porte des valeurs qui sont les vôtres et dans ce cas-là, vous pouvez aller vers ce type de produit. Et vous choisir des produits libres ou de la même manière choisir des produits qui sont proposés par des entreprises qui ont un discours éthique, qui ont une charte éthique et qui mettent en avant des valeurs, c'est le deuxième moyen par lequel vous pouvez gagner un peu de liberté face à ces entreprises. Le troisième moyen, c'est que ces entreprises sont extrêmement sensibles à leur image. Et pourquoi est-ce qu'elles sont sensibles à leur image ? Parce que leur seule richesse, c'est vous.
Et donc, si vous décidez collectivement, bien entendu, de ne plus utiliser les services de cette entreprise, eh bien, ces entreprises disparaissent, elles n'existent pas. Ce sont des géants au pied d'argile. Et donc, il y a quelque temps une entreprise qui proposait des vidéos en ligne, encore une fois, je ne vais pas faire de publicité ni négative ni positive, qui a changé ses conditions utilisateurs sans prévenir les utilisateurs. Et à ce moment-là, il s'est déclenché une campagne de pourrissement de son image sur le net, et cette entreprise a dû faire machine arrière. Et donc, on s'aperçoit ici qu'en attaquant les entreprises sur ce qui est le plus sensible pour elles, c'est-à-dire leur image, eh bien, on a une force de négociation incroyable face à elles. Jusqu'ici, j'ai cité trois exemples d'actions individuelles que vous pouvez vous-même entreprendre dans votre garage pour gagner un peu de liberté face à ces entreprises, pour moins leur donner vos données personnelles, pour que vos données personnelles restent vos données personnelles, et pour que ce soit vous qui fassiez des choix dans le monde informatisé dans lequel nous vivons. Mais il y a aussi des solutions qui sont collectives. Et donc, qui ne passe pas juste par une action individuelle, par l'action de chaque internaute face à ces entreprises, mais qui sont des décisions collectives, c'est-à-dire des décisions, on va appeler ça des États, même si je vais revenir sur cette notion d'État dans une minute. Eh bien, vous savez, puisque nous sommes aux journées de l'économie, que les économistes et plus généralement les citoyens se partagent entre ceux qui pensent que l'État devrait beaucoup intervenir dans le fonctionnement de l'économie et ceux qui pensent qu'il devrait intervenir au minimum. Eh bien, même ceux qui pensent qu'il faut intervenir au minimum, ce qu'on appelle en général les économistes les plus libéraux, eh bien, sont d'accord avec les économistes les moins libéraux sur un point, qui est le fait qu'il faut des lois antitrust. C'est-à-dire, quand il y a un monopole, qu'il soit naturel ou qu'il ne soit pas naturel, eh bien, l'État est dans son rôle en cassant le trust, en cassant le monopole. Et des exemples ont été donnés avec le démantèlement d'AT&T, et il y en a d'autres, dans lesquels des entreprises, des États ont dit « Stop, ici, il y a une situation de monopole, il faut rétablir une situation concurrentielle. » Alors, rétablir une situation concurrentielle avec une entreprise comme Google ou comme Facebook, qui a une tendance naturelle au monopole, est quelque chose de plus compliqué que rétablir une situation concurrentielle, par exemple dans le domaine des télécoms, où l'interopérabilité est plus facile. Mais ça veut dire qu'il faut résoudre les questions d'interopérabilité si on veut ramener une situation concurrentielle. Cela dit, la concurrence n'est pas la seule solution. Il y a un certain nombre de services, comme par exemple la distribution d'eau, qui sont privés, mais qui sont privés parce qu'ils sont une délégation de services publics. C'est-à-dire le droit d'avoir accès à l'eau est un droit plus ou moins universel, il n'est pas tout à fait dans la Charte des droits de l'homme, mais enfin, il n'en est pas très loin. Et les États, au lieu de distribuer l'eau comme ils le faisaient par le passé, eh bien, considèrent qu'ils peuvent donner une délégation à des entreprises pour le faire. Mais néanmoins, ça reste un service public, c'est-à-dire que ces entreprises doivent le faire dans un certain cadre qui est déterminé. Comme la distribution de l'eau a été publique avant d'être privée, cette notion de délégation de service public nous est très naturelle. En revanche, un moteur de recherche, un réseau social n'a jamais été privé, et du coup, nous avons un obstacle. N'a jamais été public, et du coup, nous avons un obstacle à penser que ce soit une délégation de service public que mettre les gens en relation, donner un accès au web, est un service public, et que même si ça a été inventé par des entreprises privées, elles doivent le faire dans un cadre qui est défini par l'État. Pour conclure, je voudrais revenir sur cette notion d'État. Vous savez que les fibres optiques, qui constituent les réseaux, dont le réseau Internet, peuvent croiser les frontières sans même le savoir. C'est-à-dire, vous avez des fibres optiques qui vont de Paris à Berlin, et nécessairement, elles traversent la frontière franco-allemande, à moins qu'elles passent par la Belgique, j'en sais rien. Mais au moment où elles traversent la frontière, eh bien, il n'y a pas un douanier qui arrête les photons. Ça dépend, si c'est des fibres optiques, c'est des photons. Si c'est du coaxial, c'est des électrons. Et il n'y a pas un douanier qui les arrête en disant aux photons de montrer ses papiers, etc. C'est pas comme ça que D'ailleurs, on ne peut pas arrêter un photon, donc on peut le ralentir, mais c'est le maximum qu'on puisse faire. Donc, l'information circule indépendamment des États. Et aujourd'hui, ça n'a aucun sens de penser que l'État du Liechtenstein ou l'État du Danemark ou l'État de la France ou l'État des États-Unis ou l'État de l'Europe va pouvoir changer quelque chose. C'est uniquement s'il y a des autorités mondiales, un État mondial, qu'on va pouvoir résoudre le problème. Quand je dis un État mondial, ça ne veut pas dire remplacer les 197 États qui existent aujourd'hui par un seul État qui sera un État mondial, parce que ça, effectivement, on peut attendre un peu longtemps avant que ça se produise. Mais ça veut dire développer des institutions mondiales qui se chargent de ces problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire
et qui marchent, plus ou moins. Ça marche, par exemple, dans le cas de la santé. L'OMS, on peut critiquer l'OMS, on peut penser que certaines de leurs mesures sont mauvaises, etc., bien entendu, mais au moins, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de porter une politique mondiale en termes sanitaires. Il y a plein d'exemples, l'énergie nucléaire, le transport aérien, peut-être la culture et l'éducation, enfin, c'est peut-être un contre-exemple, mais il est urgent aujourd'hui que, par exemple, l'ONU, qui est après tout la première institution mondiale et l'institution mondiale qui coordonne les institutions mondiales, se saisisse aujourd'hui de ces problèmes de régulation de l'informatique, parce que l'ONU a cette mission, de la même manière que l'ONU a une mission en termes de santé et que l'ONU a une mission en termes de transport aérien, de culture, etc. L'ONU n'est pas juste une institution dans laquelle on discute de la paix et la guerre, mais là, d'ailleurs, les questions de paix passent aussi par une régulation de ces entreprises. Mais n'attendez pas que l'État fasse quelque chose pour vous, commencez vous-même par vous battre à votre niveau, et c'est seulement si vous le faites que les États vous suivront. Merci. Alors, il y a une foule de questions assez pointues qu'on ne va pas pouvoir prendre une par une, on n'aura jamais le temps. Je vais tenter des regroupements. Il y a un certain nombre de questions autour des ambitions des GAFA et ainsi de suite, voilà, dans des domaines comme le transhumanisme, alors il y a des questions aussi sur le contrôle de l'information qu'elles exercent, donc il y a les allusions à Facebook, le rôle de Facebook dans les campagnes politiques, etc., aux élections. Est-ce que là-dessus, moi je pose la question, je l'angle un peu différemment, c'est quelle est la part dans ces choses qui sont dites dans l'actualité médiatique, quelle est la part de réalité, quelle est la part de fantasme et quelle est l'ampleur du risque? Alors je ne sais pas, peut-être que Jean-Hervé pourrait d'abord répondre en un premier temps, puisque comme il veut démanteler Google, il y a peut-être des idées sur la question. Non, j'ai tout à fait des idées sur la question. Juste peut-être un mot, si je peux me permettre, par rapport à ce que a dit de très intéressant Gilles. Gilles, c'est un économiste, pas du tout un physicien, ou un informaticien, c'est qu'il a fait un discours d'économiste. Absolument. Le problème des GAFA, ou de tout ce que tu veux, des industries, c'est que c'est un problème politique, c'est pas un problème... Parce que la comparaison avec l'eau, elle est quand même un tout petit peu rapide. Le problème, c'est que l'eau n'est pas intrusive. Les données, c'est la manipulation des données, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà. Maintenant, le transhumanisme, c'est l'idée assez simple que on doit pouvoir, à travers l'apport que le numérique donne à la génétique, transformer les conditions, j'allais dire, de développement de l'individu, lui donner une vie plus longue, de meilleure qualité, etc. C'est un problème qui est très compliqué parce que si vous discutez les transhumanistes et les foliers. Bon, je veux dire, je parle pas de transhumanistes, je parle de positions raisonnables faites sur le traitement, l'utilisation du numérique et de la connaissance scientifique sur la génétique. Vous êtes face à un médecin, le médecin vous dit, à juste titre, c'est formidable parce que j'ai pu, grâce à ce CRISPR-Cas9, qui est le truc le plus étonnant, mais c'est très important, le CRISPR-Cas9, on l'appelle les ciseaux génétiques, c'est ce qui permet de, en réalité, sans d'ailleurs grand coût, de pouvoir aujourd'hui traiter des problèmes, j'allais dire, de l'ADN et un peu le modifier comme on le souhaite. Il est vrai que ça permet de régler des problèmes de maladie, c'est vrai, donc c'est géant, et tout médecin sera très favorable à ça. Deuxième aspect, l'autre côté qui est plus noir, c'est qu'on peut modifier l'ADN et qu'on rentre dans des données, dans une conception de l'existence qui, objectivement, cher Gilles, n'est pas un problème économique, c'est un problème d'éthique au sens où tu l'as défini il y a un instant, c'est un problème de nature politique. Et là-dedans, juste une régulation mondiale, là je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, permet d'empêcher quelques transhumanistes légèrement éméchés, parce qu'on ne sait jamais, les éméchés, de nous entraîner dans des histoires qui sont complètement givrées. Puisque il faut savoir que le discours des transhumanistes, c'est on va vivre 1000 ans, on va transformer l'humanité, et ce n'est pas très loin de l'eugénisme. Il faut faire quand même très attention à tout ça. Christian Saint-Étienne. On a évoqué avec l'économie de plateforme la question des données. C'est une question centrale. Qui est propriétaire des données? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui est très intéressant, c'est que toutes les grandes puissances de la planète ont une politique déterminée sur les questions de données, sauf l'Europe. Et seule l'Europe est à la dimension pour permettre la régulation de ces GAFAM et de manière plus générale de cette transformation du monde dans laquelle on est, hein, que j'ai décrite en introduction tout à l'heure.
C'est une transformation colossale qui est à l'œuvre, mais qui n'est pas nécessairement heureuse. Il y a, dans la description que j'ai faite, j'ai décrit le moteur, mais je n'ai pas décrit ce que doit faire le pilote du véhicule. Et il est clair que la troisième révolution industrielle, si elle est dominée par des monopoles ou par des États totalitaires, ça peut être l'horreur. Donc la question du contrôle de la mutation qui est en cours, et notamment des GAFAM, ce n'est pas une question technique, c'est une question politique absolument centrale. Et juste un mot sur l'Europe. Ce qu'on observe à peu près partout, c'est qu'en Chine, en Russie, si on prend les grands États majeurs qui jouent dans la course de cette révolution industrielle, qui d'ailleurs le mot industrie ici doit être compris dans un sens absolu, total. C'est pas un hasard si la première révolution industrielle est associée aux grandes révolutions politiques françaises et américaines des années 1780. Dans les années 1880, c'est pas un hasard si on a des grandes révolutions sociales sur l'éducation et le rôle de la femme. Dans les années 1980, c'est pas un hasard si l'éducation supérieure devient recherchée par tous les États. Donc ce sont des mutations globales. Mais sur la question des données, tous les États s'assurent, par exemple, la Chine, la Russie, les États-Unis, que les données de leurs ressortissants sont stockées sur leur territoire. L'Europe est le seul acteur majeur aujourd'hui qui n'a pas de politique sur la localisation du stockage des données. Or, ça, c'est un problème politique et stratégique essentiel pour l'avenir, puisqu'on a parlé des algorithmes, mais les données sont l'élément clé qui va avec les algorithmes. Alors on peut discuter de manière infinie. Si un jour il y a un État unique, à condition qu'il soit bénévolant pour les 197 nations, ça pourrait être stocké n'importe où. Mais quand vous savez que la Chine, en fait, il y a deux grands acteurs majeurs de la mutation informatique actuelle, c'est quand même les États-Unis et la Chine. Si vous prenez les grands acteurs, de même qu'il y a des GAFAM qui sont américains, vous avez des BATX, c'est l'équivalent des GAFAM chinois, qui sont de même puissance et qui sont en train, même dans certains domaines, de devenir encore plus puissants, avec les Russes qui jouent un rôle tiers, qui est surtout de jouer sur la cybercriminalité. On n'en a pas parlé ici, mais qui va être un élément central des mutations en cours. C'était une des questions dans le... Voilà, donc le fait que l'Europe soit d'une naïveté confondante dans cet univers de joueurs extrêmement déterminés et avec des objectifs qui ne sont pas toujours très nets, pas plus les Américains que les autres, c'est absolument central. Et ça va au-delà, d'ailleurs, des GAFAM. C'est une question qu'on se pose déjà depuis 30 ans avec ce qu'on appelle les grands cabinets d'audit. Quand une entreprise française de la défense ou de l'aéronautique ou de la chimie a un auditeur américain, on sait que toutes les données de cette entreprise finissent dans les ordinateurs américains, et que ça sera distillé à leurs concurrents américains au moment où il le faudra. Donc le contrôle des informations et des données, c'est un contrôle absolument central de l'indépendance des nations. Et le problème, c'est que les réglementations dans ces domaines, on les a déléguées au niveau européen, et le niveau européen ne fait pas grand-chose sur ces questions-là. Il y avait un ensemble de questions auxquelles Gilles de Weck, il y a quelques doutes qui s'expriment sur la possibilité d'échapper au fait qu'on utilise Google et pas un autre, ou Facebook et pas un autre, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut faire que vous disiez au début que le winner takes all, c'est-à-dire celui qui en a 60%, il finit par en avoir 100%, on m'entend pas bien là, je crois, il finit par en avoir 100%. Comment, est-ce que c'est réversible ? Puisque ce que vous dites, c'est qu'il faudrait que soient créés des opérateurs concurrents qui soient en mesure d'inverser cette tendance. Ça paraît contradictoire. C'est contradictoire. Il faut comprendre que ces colosses sont des colosses au pied d'argile. Alors pourquoi ? D'abord, c'est quelque chose que nous observons dans l'histoire. Nous aurions fait ce débat il y a 50 ans, on n'aurait pas parlé des GAFAM, on aurait parlé d'IBM. Aujourd'hui, à part votre grand-père, personne ne sait qu'IBM a jamais existé. On aurait fait ce débat il y a 30 ans, on aurait dit c'est Microsoft qui a tout ramassé. Aujourd'hui, Microsoft a fait un lobbying énorme pour être ajouté à la fin de GAFA, parce qu'il a dit mais moi aussi je suis monstrueux, moi aussi je suis méchant, moi aussi j'existe. Donc aujourd'hui, les nouvelles entreprises qui émergent, comme Uber,
ringardise Google et Amazon. Donc Google a un peu rebondi avec les systèmes d'exploitation, Amazon avec le stockage de données, mais néanmoins on s'aperçoit que ces géants sont fragiles. Et ça aussi, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit, c'est que n'importe qui entrait sur le marché, qui essayait d'entrer en concurrence, était éliminé tout de suite. Alors, il faut comprendre pourquoi ces géants disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. C'est parce qu'il y a, dans l'importance technique des différents composants d'un ordinateur et d'un réseau, un changement de focalisation. Donc, par exemple, à l'époque d'IBM, fabriquer un système informatique, ça consistait à fabriquer un ordinateur avec du silicium. Et le logiciel qu'on mettait sur cet ordinateur, le système d'exploitation, les logiciels de bureautique et les autres logiciels, n'avaient aucune importance. Et IBM, enfin, c'est un épisode qui est aujourd'hui nous fait rire, mais enfin, je pense qu'à l'époque, on aurait eu beaucoup de mal à éviter de faire la même chose. IBM a sous-traité une petite entreprise que personne connaissait, une entreprise qui s'appelait Microsoft, le fait de faire un système d'exploitation pour ses machines parce que ça n'intéressait personne chez IBM. 10 ans après, on s'est aperçu que finalement, fabriquer des ordinateurs, c'est à la portée de n'importe quel crétin, enfin à epsilon près, et que, en revanche, toute la valeur ajoutée dans un ordinateur était dans le système d'exploitation et dans les logiciels de bureautique. Donc là, on s'est dit, c'est bon, Microsoft a mis IBM au tapis. Et Microsoft s'est cru roi du monde pour l'éternité. Mais pas du tout, parce que le système d'exploitation, finalement, vous en ayez un ou un autre, ça ne change pas grand-chose. Si vous êtes passé de Windows à Linux, voire le contraire, vous vous êtes aperçu que ça ne change quand même pas grand-chose dans la manière dont vous utilisez un ordinateur. À un moment, ce qui est devenu essentiel, c'était le web. Et à ce moment-là, Google, avec son premier moteur de recherche, a réussi à devenir la plus grande entreprise devant Microsoft. Mais ce que Google n'a pas compris, c'est la révolution qu'on a appelée à l'époque du web 2.0, c'est-à-dire l'important, ce n'était pas de donner l'accès aux gens aux documents qui étaient sur le web et qui avaient été mis par un petit nombre de gens qui savaient écrire des pages HTML en IMAX, mais c'était de permettre à chacun de mettre des documents sur le web, et c'est à ce moment-là que Facebook, enfin, en renommant le web réseau social, a réussi à prendre l'ascendant sur Google. Donc vous voyez que ces entreprises qui nous font peur, eh bien, elles se font peur elles-mêmes. Ce sont des entreprises qui sont énormes, qui ont cru extrêmement vite, mais qui sont extrêmement fragiles, parce qu'à un moment, pop, il va y avoir un petit changement de focalisation, et les entreprises ne vont pas y arriver. On ne sait pas pourquoi IBM n'a pas été foutu de faire un système d'exploitation, on ne sait pas pourquoi Microsoft n'a pas été foutu de faire un moteur de recherche, et on ne sait pas pourquoi Google n'a pas été foutu de faire un réseau social. Ça paraît pas très compliqué, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que c'est pas dans leur culture, c'est que l'important c'est le silicium, l'important c'est le système d'exploitation, etc. Donc, la prochaine transition, peut-être, et c'est pas moi qui vais le décider, c'est vous qui allez le décider. Si la prochaine transition, c'est nous ne prenons que des produits qui sont éthiques, c'est-à-dire dont nous partageons les valeurs, eh bien à ce moment-là, vous verrez que Microsoft, Facebook, Google seront dans le même camp, en train d'être remplacés par des entreprises qui vous proposent des produits avec des garanties éthiques, des produits qui vous garantissent qu'ils n'archivent pas vos données, qu'ils ne les revendent pas, qu'ils ne les laissent pas fuiter. Et à ce moment-là, c'est ces entreprises-là qui vont prendre l'ascendant sur les autres. Donc certes, il n'est pas facile de se battre contre des géants, je vous ai dit on est le petit pousset, ce sont les ogres, et quand on est dans la position du petit pousset, ce n'est pas facile de se battre contre un ogre, mais la vraie raison pour laquelle nous perdons, c'est que nous avons peur. Et si la peur change de camp, eh bien, nous sommes les plus forts. Bien. C'est tout le problème quand même de la construction collective de ce genre de choses, parce qu'individuellement, ça paraît difficile. Jean-Hervé Lorenzi. Et après, Julien. J'ai définitivement beaucoup d'admiration pour ce que dit Gilles. Il y a un désaccord profond. La réalité, c'est que si tu prends tous tes autres exemples, moi j'ai bien connu IBM, parce que malheureusement je suis de cette génération-là. Évidemment que c'était du silicium. Et évidemment qu'il a été. Tu as oublié Intel dans ce truc-là, dans les microprocesseurs. Le fond du sujet de ces entreprises, c'est qu'elles ne portent pas sur du silicium. Elles portent sur la capacité qu'elles ont d'utiliser des données sur nous, c'est-à-dire une partie beaucoup plus forte. Est-ce que tu crois un instant que si AT&T n'avait pas été démantelé, AT&T ne serait pas toujours le leader mondial des télécommunications? Et est-ce que tu crois un instant qu'aujourd'hui, les leaders du pétrole
on pourrait les citer, les 5-6 qui jouent un rôle mondial, ne sont pas déterminants. Ils ne sont, parce qu'ils sont sur une position qui n'est pas exactement la même que celle du cas précédent. Je suis très sensible à l'argument de cette espèce d'apparition-disparition. En plus, elle est optimiste, c'est sympa, c'est joyeux, toute cette affaire. Mais dans le cas précis, ça me paraît un tout petit peu optimiste. Je ne crois pas, d'ailleurs, pour être très franc, que tu nous donnes un rôle moteur, et j'y vois une philosophie qui est extrêmement sympathique, pour moi un tout petit peu optimiste. Je crois que seule, à un moment déterminé, la volonté politique de, j'allais dire, de limiter le rôle de ces entreprises, parce qu'elles touchent à quelque chose qui n'est pas du même domaine que le silicium, c'est nos vies dont elles touchent, oui. Elles parlent. Ce n'est pas tout à fait la même chose, de la même manière qu'une entreprise de génétique qui commence à manipuler avec les ciseaux génétiques l'ADN, il n'est pas tout à fait sur le même terrain que quelqu'un qui vend des aspirateurs. Mais que Gilles réponde après Julien Mendoza, parce que sinon il ne va pas pouvoir parler. On va arriver à la fin là. Oui. Je ne vois pas de point de désaccord. J'ai insisté sur le fait qu'il y a deux types d'actions à mener. Il y a des actions individuelles, et c'est celles que j'ai mentionnées, et il y a des actions collectives. Et j'ai même appelé, ce qui peut aussi être considéré comme utopiste, à la création d'institutions mondiales, pas d'un État mondial, mais d'institutions mondiales qui soient capables de réguler ce que font ces entreprises. Le seul point sur lequel je crois qu'il est important d'insister, c'est sur le fait que ce n'est pas une bonne attitude que de se mettre dans une attente que quelque chose se passe parce que d'autres gens le feront. Il est important que nous ayons une action collective, il est important que nous créions des institutions, mais ces institutions ne seront que d'autant plus fortes que les citoyens eux-mêmes, au niveau individuel, ont aussi une action pour reprendre le pouvoir qui leur appartient. Je crois que si on attend tout des institutions, rien ne se fera. Et si on cherche à construire des institutions, et que, par exemple, en ce moment, nous essayons en France de créer un comité d'éthique qui soit plus large que la CERNA dont je parlais. Et je vous encourage à écrire à notre ministre du numérique pour lui dire « il faut créer un comité d'éthique en informatique parce que ces questions sont trop importantes ». Donc voilà une réponse institutionnelle. Mais je crois qu'un comité d'éthique seul ne changera pas les choses. Il faut et le comité d'éthique et les citoyens. Julien Mendoza. Oui, je voudrais ajouter deux points en fait sur ce qui a été dit. Le premier, je voudrais un peu nuancer les propos sur la Commission européenne parce que il y a un nouveau règlement qui va entrer en vigueur en 2018, qui est plutôt intéressant sur la protection des données, qui embête pas mal d'entreprises actuellement, notamment Google. Et à cet égard, on peut regarder deux choses. Le premier, c'est qu'ils vont demander un consentement explicite systématiquement pour toute la collecte de nos données. Et ça pose la question quelle est la validité de ce consentement explicite ? Parce que combien de personnes vont refuser d'aller sur Facebook du moment qu'on va leur dire qu'on utilise les données. Tout le monde sait qu'on utilise ces données-là, mais on va quand même continuer à utiliser Facebook, bien qu'on ait donné de consentement. Donc ça veut dire que le côté protection est plutôt bien encadré, de l'autre côté, la question du consentement me semble aussi encore problématique. Le deuxième point par rapport à cette protection des données privées orchestré par l'Europe concerne en fait le stockage. Là aussi, le stockage, il y a une grande protection qui était donnée par GDPR parce qu'ils font très attention au fait que les données soient stockées en Europe ou bien dans les mêmes conditions quand c'est à l'étranger. Et je voudrais revenir aussi sur un point qui est cette idée qu'en fait, effectivement, que Google, Amazon, etc. sont plutôt dans une situation qui n'est pas aussi confortable qu'on pourrait le penser. Cependant, je remarque deux choses. Le premier, c'est qu'ils ont été plutôt dans le premier mouvement qui était plutôt dans la production de contenu et culture. Le deuxième mouvement qui a été orchestré, c'était plutôt l'accès aux services. On le voit avec Booking, donc c'est de l'utilisation d'hôtels. Le deuxième mouvement, ça a été avec les voitures. Le troisième mouvement, dont on n'a pas trop parlé là, c'était plutôt sur les objets connectés. Et on constate que ces grandes entreprises ont complètement délaissé la deuxième phase, donc qui était l'accès aux services sur donc Booking, etc. Par contre, ils se ruent tous sur les objets connectés. On peut voir Google avec Levi's, on peut voir aussi dans tous les aspects domotiques, et c'est plutôt intéressant de se dire que finalement, l'autre moyen de récupérer des données, si on revient encore sur cette problématique-là, c'est quand on est offline. Donc online, donc sur Internet, ils pouvaient collecter toutes les données, donc ils étaient intéressés. Et puis maintenant, avec la domotique, ils pourront aussi avoir et collecter des données qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Bien, merci. On va devoir s'arrêter déjà. Deux choses. Je n'ai pas
répondu, nous n'avons pas répondu aux appels personnels sur les anniversaires, les offres d'emploi, etc., etc. Il y en avait un paquet, hein. Bon, bref. Et par ailleurs, donc, je rappelle que Gilles Dewecq signe son livre à la sortie, à droite, je crois, en sortant de la salle.